Et yop les gens, c'est Floskill et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les gars, je vais d'abord vous présenter le gameplay avant d'attaquer le sujet de ce commentaire. Donc le gameplay n'est pas de moi, il est de Fedzor, un membre de ma team et également membre de la Blue, donc une team que vous devez certainement connaître vu qu'elle est vraiment avec des joueurs avec un très bon level. Donc ce gameplay a été fait en FFA sur Rust, donc en mêlée générale, avec l'intervention, et je sais pas combien ils étaient dans la partie, mais en tout cas vous allez voir que c'est un très beau score à la fin. Et qui va faire une feed assez amazing, et qu'il a fait le clip, mais que j'ai jamais vu de ma vie personnellement. J'ai un peu bafouillé, excusez-moi. Donc voilà, donc je te fais un big up, merci encore pour ton gameplay. Et on va tout de suite attaquer le sujet de cette vidéo, que je vais d'ailleurs tenter d'envoyer à des grosses chaînes communautaires, parmi lesquelles Code QG, Code CF et plein d'autres. Donc merci d'avance s'il m'upload, ce serait super. Donc le sujet de cette vidéo en fait, c'est plateforme PC, une plateforme à part entière, avec une communauté à part entière. Donc pourquoi est-ce que je dis ça, pourquoi est-ce que je fais une affirmation de ce genre? Et ben je vais l'expliquer, je vais me justifier pendant toute cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Donc une plateforme PC, c'est une plateforme à part entière, pourquoi? Parce que sur PC, il y a des mods, donc chose qu'il n'y a pas sur console. Donc mod, qu'est-ce que je veux dire? En fait un mod c'est un mode de jeu, donc comme par exemple Capture the Flag, avec des atouts ou des accessoires ou un tas de graphismes par exemple qui ont été améliorés ou modifiés. Ou des armes qui ont été modifiées pour en faire des trucs totalement insolites, du genre lanceur de grenades akimbo et plein d'autres. Donc par exemple, on tire avec ses mains sur certains modes, ça s'appelle Roll the Dice. En fait, c'est un mode où tes atouts changent. Par exemple, tu peux avoir 4 atouts en même temps, tu peux avoir qu'un seul atout, tu peux en avoir aucun dans la partie. Et c'est un truc en fait qui se génère pendant que à chaque fois que tu respawn, t'as un mode aléatoire qui apparaît. Ensuite t'as le mode e-snipe, donc le mode e-snipe en fait c'est un mode sniper, full sniper, t'as pas le droit de tuer avec d'autres armes, de toute façon tu peux pas parce que c'est interdit. Et en fait tu peux pas faire de hardscope sur ce mode, donc ton temps de visée est réduit à 0,25 secondes pour qu'il y ait que des quick ou des flash et jamais de hard. A ne pas confondre bien sûr avec le mode e-sniping, donc ça c'est pour les gens qui veulent s'entraîner au mode e-sniping. On peut hardscoper mais que pendant environ 1 seconde 5. Donc ça c'est intégré dans le mode en fait, hein. Vous pouvez vous essayer de scope un peu plus et vous pourrez pas de toute manière, ça vous déscopera, ça vous enlèvera la visée. Quoi d'autre pour la plateforme PC? Donc sur PC il y a le FOV, donc je sais que c'est quelque chose qui a été vraiment beaucoup traité. Donc Field of View en anglais, ça veut dire en fait le champ de vision. Et ce qui vous permet en fait de moins avoir mal aux yeux quand vous jouez, parce que les joueurs PC ont la tête collée à leur écran toute la journée. Et du coup en fait bah ça vous permet de faire un recul sur l'arme. Donc par contre je vais juste m'arrêter 2 secondes parce que c'est à ce moment là qu'il va commencer sa grosse feed. Et je vous dis, donc il va commencer dans 3 tirs environ je crois. Voilà, il commence maintenant sa grosse feed. Donc c'est pas une grosse feed du genre une 15 feed on screen, c'est tout simplement une 6 feed on screen avec la 9 feed on screen que vous allez voir tout de suite qui est broke 2 fois. Donc c'est vraiment super dommage, mais c'est quand même un très beau clip, donc GG à toi mec. Donc on va revenir au sujet, donc le Field of View en fait, le FOV, c'est ce qui vous permet de moins avoir mal aux yeux pour les joueurs PC. Et c'est intégré sur certaines vidéos sur console, j'ai déjà joué avec le FOV sur console, c'est spécial en fait, c'est une vidéo à regarder, enfin je sais plus trop, donc comme je ne vais pas faire dans l'exactitude, on va arrêter. Oui j'utilise un mot intelligent, faut le noter. Donc en fait le FOV vous pouvez le régler entre 65, donc le FOV normal de console, et 120, donc c'est en fait vous voyez votre arme et vous voyez même les coups de votre joueur, de votre personnage. Donc c'est vraiment un mode qui est assez drôle à voir, assez marrant à jouer. Et au moins t'as pas du tout mal aux yeux, donc ça t'enlève en fait la fatigue des yeux due au fait que tu regardes l'écran toute la journée et que tu sois la tête juste devant. Limite t'es en train d'embrasser ton écran, bon bref on va partir dans des fantasmes totalement bizarres, bon on va se calmer. Donc ensuite la plateforme PC a aussi une communauté à part entière, pourquoi? Parce que sur PC, comme il y a la présence de hacks en tout genre, donc du genre no recoil, donc ça veut dire que t'as pas de recul sur l'arme. Ensuite il y a Wallhack, donc tu vois les ennemis à travers les murs avec des grosses cibles rouges tout autour d'eux, donc c'est un peu cheaté comme mode ça. Et ensuite t'as le aimbot, donc ça vise automatiquement sur l'ennemi et généralement c'est dans la tête. Donc avec ces modes là, bah, tout le monde, quand vous jouez bien, tout le monde vous traite de hacker, donc c'est un peu chiant à la longue. Et aussi vous avez ensuite les hackers, mais les vrais, donc c'est ceux qui te menacent de DDoS. DDoS qu'est-ce que c'est? C'est de couper internet pendant quelques temps pour que t'arrêtes de jouer en fait, c'est pour te faire chier. Et en fait ils te menacent de DDoS parce que t'es bon, ou alors parce que tu les insultais, parce qu'ils t'insultaient eux-mêmes. Bon bref, c'est parti en clash de cité. Donc voilà. Et donc il y a certains hackers qui te menacent de DDoS, donc ça pour moi c'est les kikou. C'est ceux qui... Ouais, je vais t'enlever internet, au moins tu pourras plus jouer, ah là là. Donc voilà, et ensuite il y a les hackers qui vont carrément te faire griller ta box, ta livebox sur elle-même. Donc ça c'est vraiment des professionnels.
Et ensuite, et ben voilà, il y a ceux qui vont te contrôler ton PC, mais ça c'est vraiment du très très haut niveau. Ça m'est déjà arrivé une fois et j'ai regretté, mais heureusement que c'était un pote qui me faisait une leçon. Bon bref, on va pas parler du vécu, parce que sinon on en a pour un bout de temps. Donc voilà, donc je pense que j'ai à peu près tout dit sur ce sujet, donc qui pour moi, bah, j'ai trouvé assez intéressant dans ma tête. Je sais pas si vous allez le trouver intéressant en l'écoutant. Donc merci encore à Fetzer pour le gameplay, bah, j'espère que les chaînes communautaires m'accepteront. Si c'est le cas, bah, merci d'avance, ça me ferait vraiment super plaisir. Et les gars, bah, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Flo Skill, allez ciao tout le monde, prenez soin de vous, et à la prochaine.